Salut tout le monde, c'est Taizo, on se retrouve pour le 15e épisode et le dernier épisode sur le let's play de Call of Duty Black Ops 1 sur PC. Donc on va aller voir ensemble où on s'était arrêté. Donc campagne, choix de la mission, on a la mission rédemption, je vais vous lire le synopsis. Tu dois mettre fin à tout ça. Ferme-la toi. Détruisez la station de diffusion et tuez Drakovic avant que le projet Nova ne soit lancé. Donc voilà, on arrive au dernier épisode. De toute façon, on en reparle tout ça à la fin, quand on a terminé cette mission, quand on reviendra ici hein, pour contempler ce jeu iconique. Donc voilà, juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne, je vous remercie. Activez la cloche si vous voulez pas rater d'épisodes et être notifié, comme là maintenant. Et si vous cliquez juste ici, au-dessus de ma tête, ou à droite sur le petit i, vous allez apercevoir normalement d'autres playlists que je vous recommande d'aller voir, dont celles de Pacify, PBG et Star Wars Battlefront 2, qui sont plutôt pas mal et qui sont les meilleures. Voilà, ce sont des best-of. Donc voilà, et bref, on en reparle de tout ça à la fin de l'épisode. Et on continue notre aventure, c'est parti. Enfin, une aventure qu'on termine maintenant. Et let's go pour le petit briefing. Oula. Nous sommes sous la menace des communistes. Ok, donc là, il n'y a personne qui parle. C'est que des images encore, des vidéos. Notre vie est en danger. Notre plan visant à frapper au cœur de l'Occident est en marche. Il faut l'arrêter, Mason. Il ne craint personne. Là, 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 là. N'a pas d'état d'âme. Nova 6 bombe. Pas de faiblesse. Ok, on est passé en def con 1. Vous avez vu, hein, on était en Defcon 6, je crois, au tout début du jeu. On me dit que vous êtes le meilleur ok, c'est où ça? Le Rosalca, il est où? Haïti, Jamaïque. Dragovic. Et les îles Caraïbes. Yes, Navy, ok. Je vous le souhaite. On va envoyer en hélico, ok, d'accord. Hudson, Weaver et Mason. Monsieur Mason. CIA. Ok. Et c'est parti, j'ai envie de vous dire. On va essayer de faire de notre mieux, hein. Faire un beau gameplay pour ce dernier épisode. Ça va nous changer de tout ça. Préchargement des shaders qui sont très longs. Je sais pas pourquoi, des fois ils sont rapides. Et là maintenant c'est long. Allez, on se dépêche. Je me rappelle même plus comment il se termine le jeu. Ça m'a rappelé, cette mission elle me rappelle juste le premier Call of Duty, Modern Warfare, le Code 4. La première mission, c'est un truc comme ça aussi avec un bateau. Mason, Hudson, Waver intercepte le Rusalka, un navire commercial russe. Nous pensons que le signal provient du navire. Et 6 heures du SBA dans le jeu. 6 heures du SBA. On a le Rusalka en visuel. Bien reçu, Yankee 1. Du Mexique. Commençons l'approche. Mason, tu pilotes. Restez okay, en formation. On approche de la source des nombres. Ok. On est combien? On est 4 là. Oula, ça nous tire dessus là. Vous attendez ou quoi? Oh, 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 il y a un poteau qui s'est fait avoir. Qui nous attendait. Groupe Yankee, attaquez à droite. Dépêche-toi. Oh là là, il a fait de mal. Ok, lui je l'ai eu. Lui aussi je l'ai eu. On va faire le tour. Essayez de faire le tour. Allez, tranquillement. Ah, il y a nos poteaux qui ont essayé d'avoir les autres là. Donc là, ils ont fait le boulot à notre place, ça c'est cool. Oula, on l'a eu. Ah, il a fait de mal lui. Ouh, il y a le truc qui est tombé là carrément. Wow wow wow. Putain c'est bon, je sais pas combien de missiles. Ok, oula, raté. On doit sécuriser allez, la ZA. Ok, on doit protéger ces poteaux là. Lance-roquette pour supérieur. Groupe Yankee en position. Protéger. Allez, allez. Super. Je crois que je l'ai eu, je crois. Je sais pas si c'est côté là ou de l'autre côté. Ok, ok, on les a eu, ok. Ah, faut bouger là, ils sont juste en bas les ceux qu'on doit protéger. Là. Ouh là là, il y a un peu de ses favoris. Groupe Yankee en position. Alpha, je suis en position d'appui. À vous. Bien reçu, on avance. Yankee 1, il y a un petit freeze là, désolé. Allez, amène-nous du côté bâbord. Ok, ok, on va, du coup on va les faire avancer. Ça là. Ok, on va les protéger, let's go. Continue, on les avance. C'est bon, on avance. Il y a un poteau là. J'attaque. Oh, oh, oh. Ah, du coup. Allez, je recharge. Dois se rapprocher. Tire à volonté. Lance-roquette sur la passerelle. C'est ce que je vois, t'inquiète pas. Merci pour le coup de main. Je l'ai eu. Manœuvre d'évasion. Oh. Il a détruit le bateau de sauvetage. Qu'est-ce que je fais? Yankee en position. On passe au pont inférieur. À vous. Bien okay. Reçu, Yankee. C'est quoi ça? Vous suit de près. C'est un hélico, ça? Mais c'est russe, ça, non? Si, si, c'est russe, non? Mais oui, c'est ce que je disais. Il va essayer de nous avoir cet enflure. On essaie de l'avoir. Il bouge trop, il bouge trop. C'est bon, je l'ai eu. Oulala, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?
Ok, 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 j'y vais. Putain, Messi, il a dit bien reçu. Messi, il a dit bien reçu comme si c'était normal. Normal, t'inquiète, tu peux compter sur moi. Il a dit ça comme si c'était normal. Je sais pas si vous avez entendu. Putain, on a failli tomber là, j'aimerais pas être à sa place là. Oula. Allez, tu te reprends là, Hudson. On a quoi comme arme? FAMAS et MAC 11. Ok. Rokyanki au rapport. On est sur le pont 2. Pas de trace de l'émetteur. On va essayer de les laisser passer, hein. Parce que sinon, ça va bugger là. Vous connaissez la musique, hein. Vas-y, avance, moto. Même là, ça bug. Enfin, ça bug. Oh, ça tire là. Ah, désolé pour les freezes. Ça, c'était pas prévu, ça. On va essayer de lancer des grenades. Oula, je crois que je me suis trompé. Il me touche. Il n'est pas devant moi. Non, Nico. Non. Oh là là, je suis fou. Quel gris. Ça n'a pas visé ou quoi? Tiens ça, attends. Oh, il y a une grenade, Oh, bien ouais, j'ai m'ont sauvé la vie. Oh, il y a des hélicos. Pousse-toi. Poussez-vous, les mecs, poussez-vous. C'est ce que je fais. Bim. Allez, ciao, bye bye, poteau. Et bim. On va essayer de les avoir. On a encore deux roquettes. Oulala. Oh, il y a un lance-roquette ici. Qu'est-ce que je fais? Hop. On va reprendre, récupérer notre Mac 11. On va recharger. Ah, c'est une grenade. Je crois que j'en ai eu un là, je crois. Ouh, là, il y a une grenade. T'es là, c'est une grenade quand il est mort. Oh. Ok, je les ai eus. On a lancé une flash. Attention. Let's go. Je l'ai eu. Même pas besoin de viser des fois. Je l'ai eu. Ah, c'est bon. On est bon, j'ai récupéré une grenade. Allez, tiens, les mecs. Il faut que tu vois ça. Qu'est-ce que c'est? Merde! Weaver! On est bloqué au pont inférieur. Maniez-vous de ramener vos fesses. On est en route. Ok, on se dépêche. Oula, il y a du monde là, non? Ah, il m'a fait hyper peur. Oh non, enfoiré. Il est mort. Les enflures, il m'a fait hyper peur. En plus, quand vous avez vu, j'aurais pu lui mettre un deuxième coup de couteau, mais vu que je rechargeais. Enfin, vu que tu recharges quand tu mets un coup de couteau, entre guillemets, vu que ça prend du temps à remettre le coup de couteau. Oh là là, magnifique. Bon, je crois qu'il y avoir du monde ici. Oh là 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 là. Ah ouais. C'était les poteaux, ça, c'est ça? Okay. Oh, il tire dessus. C'est le fou, là. Ok, on va passer par le haut. Je passe par le haut, moi. Ok, je les ai eu. Pousse-toi. On sait des grenades. On se flash. Oula, j'en ai mis une seule dans la tête. Oh là. Cible à terre. Bon boulot. Ok, je pensais qu'il y avait un autre derrière moi là, c'est pour ça que je me suis retourné comme ça là. On va recharger quand même. On sait jamais. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Ce bateau est plus grand qu'on ne croyait. La source des noms. Ah bah oui là. Elle est plus grande. Oh. Merde. Ah, il se fait mal aux oreilles. Merde, Dragovic a commencé à émettre. Émettre le son, ok. On confirme que le Ruzalka est bien la source de l'émission. Oh, c'est incroyable comment c'est fait. On évacue le site. Pas encore. Va trouver Dragovic. Dans moins de 15 minutes, l'US Navy va réduire tout ça en poussière. J'ai fait l'erreur de pas confirmer la mort il y a 5 ans à Baïkonour. T'es sûr que t'as récupéré tes esprits? C'est important. Il faut descendre ce fils de pute, une fois pour toutes. Oula. YouTube. Passe-toi d'ici, Weaver. On va terminer tout ça. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, cinématique. Ouais, cinématique. Cinématique, hein. Oula, qu'est-ce qui va se passer là? Oh! Mais non! Hudson, tu vois les bouées?
C'est elle qui émette depuis la surface. C'est pour ça qu'on trouvait pas la source. La structure en dessous, c'est plus qu'un simple émetteur. C'est une base de ravitaillement pour les... Ah, mais ça me rappelle MW2. Le plan d'invasion de Dragovich, une fois le Nova 6 diffusé. Pas... plateforme pétrolière sous-marine. What the fuck? C'est grave bien fait. Je suis choqué. Ils sont les poteaux. Oh, on a atteint carrément le fond. Wow. Ok, d'accord. Wow. Oh, ça me donne des frissons. J'aime pas trop quand il y a du vide comme ça, immense là. Ça c'est une phobie. Ça c'est la thalassophobie, je crois. C'est le peur de l'immensité, du grand. Je sais pas si ça se dit comme ça. Famas, ok. Non, on va garder notre arme à nous. Hein. Ok. Je pense que... J'imagine que les poteaux, ils savent pas qu'on est là. Ouais, je pense que... Oh. Ok, c'est parti. Oh là, en pleine tête. Incroyable. Petite flash, let's go. Oh, pardon. Ah mais les mecs ils se mettent devant moi aussi. Bah oui mais tu te mets devant moi poteau, je peux rien faire. Hein. Tu l'as eu. Je t'ai eu toi. Oula. Il y a un sous-marin, c'est... tu prends n'importe quoi. Ils sont derrière là. Oh. Les mecs au-dessus là, quoi, ça fait des glissades et tout. Ils sont chauds les mecs. Hein. Je les vois, deuxième étage. Grenade. Lance une grenade. Tiens, une petite flash pour toi là. Ah, ils sont équipés hein. Oh, renvoie la grenade. Boum. Ok, lui. Ça fait mal au dos hein. Comment tu peux te relever après ça quoi? Tu tires sur qui, Hudson? Personne là, viens, on continue. Oh. Il me fait super peur lui. Ok. Oh. Et à terre. Raté. Tu veux Hudson ou pas? Oh fuck. C'était pas prévu ça. Je recharge. Non. Pousse-toi. Oh. Ça a dû faire mal à une tête ça. Ok. L'eau elle a envahi le... Ah bah oui, ça a rempli d'un seul coup là. Vous avez vu à la profondeur à laquelle on est là. C'est vraiment une ambiance guerre froide, hein. C'est grave bien fait. Ok. Je peux monter moi aussi, tu peux te pousser tes grosses fesses là. On trouve Dragovich avant que tout s'écroule sur nos têtes. Ok. Donc là... Il ne reste plus qu'un seul truc, c'est de le filer. Il est mort. C'est vous. Par l'échelle. Vite. Et il s'est pas visé, heureusement. Par l'échelle. Couvrez-moi. Ah, je récupère une arme sur eux, la galie. Vite. Allez, on se dépêche. Ok, il y a de l'eau là, c'est un peu bizarre. Ouh là là. Ok. Poussez-vous. Ok, attends, je t'ai eu. Si, je t'ai eu. Oh là, j'ai même pas besoin de recharger. Oh, chargeur amélioré, ça, je veux bien ça, s'il te plaît. Merci. Vas-y, Hudson. Oh, on continue, ouais. Faut stopper la diffusion. Tu y a qui encore? Ah, c'est au-dessus, ok. Il y a des mecs de partout là. RPK et tout. Ah, je l'ai eu. Ah, ok. C'est qui était pas mort. Confirmé. Oh là là, il y a tellement de trucs là. Ouh, mon pompe. Je te lève pas, poteau. Ah, ça fait mal. Qu'est-ce que vous faites? J'annule la console, vite. Ok, là je connais normalement les chiffres. Oh. Relève-toi. Dragovich. Oh, il est là.
Tu aurais dû être mon meilleur agent. Tout aurait été beaucoup plus simple. Ouais, mais... Oh! Dragovic! Mais c'est simple. Terminé pour quoi? Oh, oh. Patate, patate, patate. Vous voulez me détraquer la tête? C'est raté. Tu ne sais plus. Ferme-la. Faut le fumer. Tourner contre les miens. Ouais, c'est ça. Voilà, ça c'est pour toutes les missions qu'on a fait. Assassiner le président. Bim. Voilà, pour l'étouffer. Ok, là je suis en train de faire mon mieux. Je sais pas c'est quoi la souris 5. Allez, Mason. Il est mort. Mais je l'aurais mis une balle dans la tête. Franchement, j'aurais mis une balle dans la tête. On peut pas le tuer comme ça. Mason, par là. T'arrives. Ah mais genre j'ai pas d'armes et tout. Ouais, comme par hasard. On est en train de s'écrouler. Oui, bah dépêche-toi, poteau. Tu traînes là un peu, là, non? Oi, 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 oi. Ça vous rappelle pas Oh, oh. Quand on s'est barré là, c'est ça? Ok. Oh. Mason, tu as réussi, Mason. Oh. Tu l'as fait à ma place. Vis à présent. Reste encore tant de choses à faire. T'as le meilleur poteau que j'oublierai jamais dans le jeu vidéo. C'est le meilleur poteau. Le meilleur. Oula, on est en train d'étouffer là. Oh, oh, t'en dirais, on va s'envoler. Mason. C'est terminé. On a gagné. Comment c'est cliché de fou là, ce que vous voyez là? Grave cliché. C'est terminé. Mais du coup, les chiffres, on les a jamais utilisés en fait. Là, on est en train de craquer là, on va devenir fou là. 0, 11, 24, 11. Ok. 19, 20, 10, 14. Pardon. Ok, c'était cette dame qui disait ça. Quoi, elle était derrière les commandes avec Hudson et tout, Weaver, ou c'est comment? Oh, cette musique, elle est incroyable. Kennedy. Bah en tout cas, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? J'espère que ça vous a plu, le let's play. Moi, j'ai kiffé en tout cas. On a été un petit peu perdu dans l'histoire vers la fin du jeu, mais on s'est très vite rattrapé par rapport à l'histoire. Et on a eu deux missions qui étaient très rapides, départ au départemental et l'avant-dernier épisode. Hein. C'était très scripté, très linéaire. On n'avait pas grand-chose à faire. C'est un peu normal, c'était l'histoire du jeu. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. C'est l'un des Call of Duty de Triarche le meilleur parce qu'en termes de brutalité, de gameplay, tout change. Et vous imaginez, ils font un remaster dessus, c'est juste incroyable. Oh, c'est quoi ça là-bas, là? Ah, elle est là! Vous le voyez, Mason, il est là? Mais non, ils ont réussi à mettre Mason. C'est dit qui parle, ça, c'est sûr. Dit, on ne peut que rater l'avenir. T'en dirais une... Monsieur le Premier ministre Castro, cette crise des missiles était trop. Nous avons tous failli y rester. Nous vous avons invité aujourd'hui... Sans coup fourré. Sans coup fourré, pour faire la lumière. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il a perdu. Comme je le dis souvent, pardonne à tes ennemis, mais n'oublie jamais leur nom. Bien. Messieurs, j'aime à croire que dans la grande histoire du monde, seules quelques générations qu'en anglais, c'est beaucoup mieux, là. De défendre la liberté. On dirait que quelqu'un essaie d'entrer. Juste leur âge, Dick. Assieds-toi. Le mode zombie. Dieu. Le Pentagone semble avoir été infiltré. Des zombies. Messieurs, face à ce genre d'attaque, nos forces de réaction se doivent d'être implacables afin de dissuader toute forme d'agression. Putain, c'est vraiment cliché de fou. Oh, messieurs, tenez-vous prêts. Ah, on a vraiment une tête. Monsieur le Président, un dernier mot? Oui, Jack. Quelques mots bien sentis pour donner du courage aux troupes? Ne vous contentez pas d'une vie facile, mes amis. Cherchez à être les plus forts.
Niveau de courant critique. Principaux systèmes hors ligne. Ah là là, je me rappelle. Le changement est la seule loi de la vie. Allumez cette foutue lumière. Ah, cette arme, elle est... Vous savez pas à quel point c'est une dinguerie tout ça. Et bah voilà, on a terminé le jeu. Bah, du coup, l'autre, il est toujours là, bien sûr. Ah, super. Il va nous prendre la tête. Je pense qu'on va... Vous savez quoi, on va faire ça. C'est vrai qu'on a pas mal de renseignements. Voir Kuta, ADM, on a récupéré pas mal de trucs. Donc ça, ouais, voilà. En fait, je pense que c'est un résumé de chaque mission, en fait, à chaque fois. Donc le briefing qu'on a au tout début de chaque mission, bah, en fait, c'est ça. Ça peut représenter ça. Donc ça, je lirai en off. On va aller en mode zombie. Comme ça, lui, il va partir, lui. C'est parce qu'il est relou. Et cette musique, elle est juste incroyable. Donc... J'ai fait ça juste comme ça, il parle pas à l'autre, et qu'on a juste la musique. Là, vous avez vu, on a des images du mode zombie, c'est incroyable. On a, bah, là, on a une tête, bah, regarde, il y a un zombie qui est là, débarque. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu ce let's play, mais en tout cas, je me suis bien amusé. On a pu retracer bah, toute l'histoire de ce fameux Black Ops avec la trilogie des Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4, il y a aussi bah, Black Ops Cold War aussi, donc ça fait 5. Donc on s'y attardera plus tard. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu vraiment. Moi j'ai kiffé redécouvrir ça avec vous. Et on s'est plutôt bien amusé. Je crois qu'on peut partir, hein, si je me rappelle pas. Non. Oula, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah non, ok. Donc du coup, voilà quoi. Du coup là, on va se retrouver pour le prochain let's play qui sera sur MW3. Comme je vous avais dit, c'était du coup, on fonctionne par année des Call of Duty et des sorties. Donc des fois c'est Triarch qui sort le jeu, après c'est Infinity Warfare, après c'est Raven, etc., etc. Donc là, on passe à MW3. Et voilà. En tout cas, c'était juste pour vous dire que ce Call of Duty était juste magnifique en termes de brutalité. Il y avait de tout. Je pense que je vous ai déjà dit ça tout à l'heure. Mais voilà, moi en tout cas, c'est juste pour vous dire un grand merci à vous. On a terminé ce 4ème Call of Duty, 5ème Call of Duty. Et là, on passe au 6ème, 5ème Call of Duty qui est MW3. Donc voilà. Wow, ça me fait bizarre. Ça me fait vraiment bizarre parce que c'était il y a 10 ans en fait que j'avais joué à ce jeu. J'ai joué un nombre de fois incalculable et surtout mode zombie. Et puis voilà, un grand merci à vous. Un grand merci à vous et on se retrouve pour le prochain épisode qui arrivera demain normalement. Et demain normalement vous avez ce qu'on appelle un épisode récap de tous les épisodes qu'on a fait, les 15 réunis, condensés, pour vous faire une des meilleures vidéos de bon moment, etc. Donc voilà, ça vous connaissez et puis voilà quoi. J'ai l'impression de vous avoir tout dit et je sais pas, ça fait bizarre. Allez, ciao, merci.